Cette fois ça marche, je vérifie. Parfait! Je viens de vérifier moi sur internet directement. On recommence? Bienvenue. Bienvenue. Oui, ça marche. Merveilleux. Voilà. Ouais, bravo. Le micro, il était coupé. Donc bienvenue, bienvenue sur la chaîne Twitch. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Laurent. Mon signe, c'est Laurent, parce que j'ai les cheveux blancs, petite mèche blanche. Je vais pas signer aujourd'hui parce que moi je suis un élève, hein, moi j'apprends un petit peu. Aujourd'hui, on a des pros sur la langue des signes française qui sont là. Je reçois beaucoup de personnes chaque semaine qui parlent du médico-social, des services d'aide à la personne, des professionnels, des personnes concernées, sur plein de sujets, plein de thématiques différentes. Et ce soir, j'ai la chance d'accueillir une grosse partie, en tout cas, de l'équipe qui se cache derrière Helix, l'application qui permet d'apprendre, en tout cas d'avoir énormément de vocabulaire en langue des signes. Ils sont rares sur Internet, on n'a pas trop l'occasion de savoir un petit peu comment ça se passe avec cette application, donc je suis vraiment très très content de pouvoir les accueillir ce soir. Et ben, je vais les faire venir. Juste une petite précision, donc il y aura les sous-titres en dessous, comme je disais. Alors ceux qui signent, ils ont compris, donc je vais pas signer. Il y aura des sous-titres pour tout le monde, sauf pour moi. Donc il y aura le titre en dessous. Pour moi, vous pouvez activer les sous-titres directement sur Twitch et régler la taille, l'opacité, la police d'écriture qui vous arrange pour que vous puissiez les lire plus facilement. Comme ça, vous aurez les sous-titres de tout le monde et vous pourrez suivre. Et il y a également deux interprètes en langue des signes, Sandrine et Thomas, qui vont pouvoir se relayer toute la soirée pour pouvoir faire une soirée inclusive, ma foi. Ce sera bien comme ça que vous signiez, que vous lisiez les sous-titres ou que vous soyez entendant. On va essayer de passer une très très bonne soirée et je vous propose d'accueillir les invités dès maintenant. Bonsoir à vous, bonsoir Sébastien, Fanny, Cédric, bonsoir, bonsoir Sandrine et Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir organisé cette soirée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez parler, on vous entend normalement. Bon, eh bien, je vais commencer. Bonsoir Laurent, bonsoir à toutes les personnes qui vont nous suivre ce soir. Merci Laurent pour ton invitation. En fait, nous, ça nous fait très plaisir de venir parler d'Helix et puis plus généralement de langue des signes française ce soir. Voilà, je pense qu'on va passer une bonne petite soirée. Du coup, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, c'est Sébastien. Alors, mon signe, c'est celui-là. C'est un signe qui est construit avec le signe de la lettre S et le signe du mot vélo. Alors pourquoi? Parce que je suis fan de vélo et donc mes collègues m'ont attribué un petit peu naturellement ce signe. Alors moi, ça me va très bien. Je trouve même que c'est très très sympa. Donc moi, je travaille pour l'association Signes de Sens depuis 4 ans. Comme chef de projet numérique et depuis janvier de cette année, en fait, je pilote l'ensemble du programme Helix. Voilà, donc je vais avoir l'occasion de vous présenter Signes de Sens brièvement et puis aussi Helix parce que en fait, Signes de Sens et Helix, c'est pas tout à fait pas tout à fait la même chose. Mais bon, avant ça, je vais laisser Fanny se présenter, Cédric, et puis aussi Sandrine et Thomas, les deux interprètes qui nous accompagnent ce soir. Voilà. Et donc, je passe la main à Fanny parce qu'elle va dire que je fais trop long. Wow. bonsoir à tous. Donc moi c'est Fanny. Je travaille à Signes de Sens depuis une grosse dizaine d'années, et notamment sur Helix. Donc je suis responsable du pôle langue des signes française, ce qui regroupe plein de choses, les formations, les spectacles bilingues et surtout tout ce qui est contenu et production audiovisuelle sur Helix.
Voilà. Super. Bah merci beaucoup, c'est vraiment cool de vous avoir tous là. Il y a également Cédric. Alors Cédric, toi Cédric, tu es sourd. Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Cédric. Mon nom en langue des signes est comme celui-là. Je travaille chez Signes de Sens depuis 6 mois en tant que salarié. Voilà. Et donc, je suis formateur de LSF dans le cadre des formations dispensées par Signes de Sens. Et je travaille également avec Fanny sur Elix, où je récolte les vidéos qui sont tournées et je travaille sur le développement d'Elix. Voilà. C'est super, merci beaucoup. Et puis toi, Sandrine, bah, peut-être Sandrine, tu peux te présenter un petit peu. Je suis Sandrine, je suis interprète en langue des signes. Merci beaucoup. Sébastien, j'imagine que toi, bon, bah, là, tu vas être un peu sur des rails pour présenter Elix. Surtout dans le chat, n'hésitez pas à vraiment poser vos questions pour Sébastien, pour Fanny, pour Cédric, pour tout le monde, même pour Sandrine, si vous voulez, pourquoi pas. On va dérouler un petit peu la soirée pour que bah, tout le monde puisse un petit peu expliquer Elix, qu'est-ce que c'est quoi. Et puis au fil de la soirée, on va prendre vos questions pour pouvoir y répondre dans l'ordre. Voilà, Sébastien, est-ce que tu pourrais déjà... pour ceux qui... Parce qu'il y a un petit peu de monde là ce soir, tout le monde n'est pas présent quand je fais les lives. Qu'est-ce que c'est Elix, pour ceux qui ne connaissent pas? Ah, alors du coup, tu me perturbes parce que... Ah, désolé, écoute, l'association Signe de Sens, oui, parce que si on parle d'Elix, il faut parler de Signe de Sens, tu as raison. C'est ça, exactement. Non, mais je pense que c'est important parce qu'en fait, à Signe de Sens, il n'y a pas qu'Elix, il y a aussi plein d'autres activités. Donc oui, pour resituer, en fait, Elix, c'est une association loi de 1900 qui a été créée en 2003. On est situé à Lille, on compte aujourd'hui 25 salariés. Alors je le précise, 25 salariés, parce qu'il y a encore un an, on était une petite quinzaine. Et on est en pleine croissance. En fait, Signe de Sens, c'est une association qui est super dynamique. Donc l'objectif de l'association, c'est de rendre la société plus inclusive aux personnes qui sont en situation de handicap cognitif, sensoriel et psychique. Donc les personnes sourdes, les personnes aveugles, les personnes avec autisme, les personnes déficientes intellectuelles. Et donc pour ça, on conçoit des outils et des dispositifs pédagogiques qui vont faciliter l'accès à l'information, la culture et les apprentissages. En fait, si pour résumer Signe de Sens, nous on s'engage au quotidien pour accompagner vers l'autonomie les personnes qui sont en situation de handicap et puis leur donner en fait tous les moyens d'être des citoyens qui vont participer pleinement à la vie de la société. Alors, on a deux pôles d'activité. On a nos programmes, je vais expliciter, puis ensuite, on a aussi des produits et des services. Donc, les programmes, ils sont au nombre de quatre. On a quatre grands programmes. Alors, le premier, bah, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, hein, c'est la langue des signes. À travers Elix. Donc voilà, je vais avoir l'occasion là dans quelques secondes de détailler tout ça. Mais on a aussi un programme qui est dédié à l'apprentissage précoce des enfants de 2 à 6 ans avec autisme. Alors toi, je sais que tu es éducateur spécialisé, tu as peut-être utilisé Ben le Koala, hein, ce petit personnage qui accompagne. Il est là, il est sur mon téléphone, je l'ai ici. Voilà, dans leur apprentissage quotidien. Et puis s'il y a des parents qui nous écoutent, bah, peut-être qu'ils ont utilisé Ben aussi pour. Avec leurs enfants pour le brossage des dents. Voilà, donc... Il est tout en bas dans l'onglet et social, voilà. Ben le Koala. C'est ça. Donc, Signe de Sens, c'est Elix, mais c'est aussi Ben le Koala. C'est aussi un programme qu'on appelle Édition Jeunesse Accessible, EJA, le but, c'est de rendre la lecture accessible. En fait, faire en sorte que les médiathèques, que les libraires proposent des ouvrages accessibles aux enfants qui sont en situation de handicap.
Donc ça, c'est un programme qui est en cours. Il y a déjà des médiathèques en France qu'on a aidé à proposer des ouvrages accessibles aux enfants en situation de handicap. Et ensuite, on a un quatrième programme, hein, qui sont les services publics numériques accessibles. Voilà, l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux démarches administratives dématérialisées. Le numérique peut être une chance, hein, pour les personnes en situation de handicap, à condition qu'il soit fait intelligemment. Donc on travaille aussi sur cette dimension-là de l'accessibilité. Alors du coup, pour en revenir à ta question initiale sur Elix, à la base, Elix, c'est un dictionnaire, hein, qu'on a créé il y a une dizaine d'années pour servir de passerelle entre le français et la langue des signes française. En fait, il y a plusieurs objectifs, hein. C'est permettre aux personnes sourdes signeuses d'accéder à la lecture sous toutes ses formes, parce que les personnes sourdes signeuses, leur langue maternelle, eh ben, c'est la langue des signes française avant tout, et pas le français écrit, hein. Je pense qu'on aura peut-être des questions autour de ça ce soir. L'objectif d'Elix, c'est de faciliter la communication entre les personnes sourdes et les personnes entendantes. Hein, plus il y aura d'entendants qui seront signés, plus facile sera la communication entre tous. Et puis, c'est aussi permettre à la société de s'emparer du potentiel de la LSF, parce que la LSF, aujourd'hui, c'est utilisé dans les crèches avec les bébés pour les amener à une première communication. C'est utilisé aussi, je crois que toi, tu l'utilises dans ton métier, il me semble. Il y a le Macathon. Effectivement, il y a le Macathon, voilà. qui a des signes de LSF. Il y a des signes qui diffèrent, évidemment, mais on reste sur une logique de langue des signes, même si le Macathon, il y a plein de différences. On utilise aussi des pictogrammes, donc beaucoup de supports visuels. Je les ai là, mais en gros, tu connais le classeur PEX de chez Pyramide. Donc, ouais. Pas mal de supports visuels, mais également un peu de langue des signes, oui. Voilà, donc la LSF a aussi un potentiel, justement, qu'on pourrait utiliser, pourquoi pas un jour sur les chantiers, voir des ouvriers, justement, qui sont dans un environnement bruyant, utiliser la LSF pour communiquer. Donc, Elix, hein, c'est d'abord le site et l'application mobile, hein, ce que nous on appelle le Dico Elix. C'est aussi depuis 2-3 ans une extension web, hein, qui va permettre d'accéder aux signes et à la définition en LSF de n'importe quel mot à partir de n'importe quelle page web. Hein, de manière concrète, en fait, je suis en train, par exemple, d'effectuer ma déclaration d'impôt. Il y a un mot que je ne comprends pas, je le souligne, je fais un clic droit et je peux avoir accès à la vidéo, enfin aux signes de ce mot ou à sa définition traduite en langue des signes française, dès lors où il existe en fait dans Elix. Ça, je dirais que c'est pour la partie numérique, mais en fait, il n'y a pas que cette partie-là numérique. Hein, Elix, c'est aussi des jeux et des livres, hein, qui sont disponibles à travers notre boutique. Hein, on est éditeur de jeux, qui est le jeu, dites-le, en langue des signes. Il y a aussi le jeu « C'était quand ?» sur l'histoire des sourds. Elix, c'est aussi des événements. Hein, pour le moment, c'est surtout sur la métropole lilloise, parce qu'on avait dans cette idée d'essaimer un petit peu tous ces événements qu'on fait sur l'île en région, mais avec la crise sanitaire, c'est un projet qu'on a mis un petit peu de côté pour le moment. Mais voilà, sur l'île, on organise des repas sans son, on organise des soirées-jeux. On fait aussi des sensibilisations d'entreprise. Fanny aura probablement l'occasion d'en parler. Elle travaille sur un super projet de chansigne avec les collégiens de la région. Elix, c'est aussi des formations. Alors, des formations en présentiel dans nos locaux, hein, que Cédric peut être amené à animer. Bientôt, et là, c'est un petit peu un scoop, hein, qu'on réserve pour ton live, d'ici quelques semaines, il va y avoir, on va mettre en ligne nos premiers modules e-learning, donc à travers Elix Academy. Donc, ce sera la possibilité d'apprendre, de s'initier à la langue des signes à distance. Okay.
Voilà, donc on travaille là-dessus depuis fin d'année dernière. Et puis bon, bah, là, ça va vraiment se concrétiser. Là, on est encore en fait dans une petite phase de test. Elix, c'est aussi de la recherche et du développement. On travaille avec des partenaires au niveau donc des ingénieurs informatiques sur de la reconnaissance de signes. C'est des domaines qu'on essaye d'explorer. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très lent parce que la langue des signes est riche, hein, c'est pas simplement les mains, hein, c'est aussi des expressions du visage, des expressions corporelles, etc. Donc le temps qu'on ait une intelligence artificielle qui traduise la langue des signes française, c'est la perspective est encore lointaine. Donc je vais finir ma présentation par quelques petits chiffres. Aujourd'hui, en fait, vous êtes 70 000 utilisateurs uniques, hein, chaque mois utiliser Elix. Il y a eu vraiment un gros boom l'an dernier. Et en fait, ça croît chaque mois. Aujourd'hui, on a 37 500 vidéos. Voilà, je vous donne un chiffre précis, hein, 37 500 vidéos de signes et de définitions qui sont disponibles sur le site et l'application Elix. Et puis, c'est des super notes, des super commentaires sur les stores avec des gens qui sont très heureux d'utiliser nos services. Voilà. Donc, j'espère pas avoir été trop long. Tout cas, c'était complet. Puis, en plus, il y a du monde dans le chat qui participe. Il y a Valentine de chez Signe de Sens qui répond également. Il y a quelqu'un qui demandait ce que c'était que Ben le Koala. Et Valentine a envoyé tous les liens, toutes les infos, à tel point qu'il y a le robot qui gère mon chat, qui limite les spams. Il lui a dit attention, un peu trop d'aide. Parce que c'est un robot, il ne comprend. Calme-toi, Valentine. Calme-toi. Non, c'est mon, c'est un robot. Il comprend pas que c'est très bien ce qui se passe. Je sais pas si Fanny, toi, tu voulais compléter peut-être par rapport à ce que j'ai dit, parce que moi, c'est vrai. En fait, je représente plutôt la partie tech en fait de d'Elix, parce qu'en fait, mon métier à la base, moi, c'est construire des sites internet, de construire des applications mobiles. Donc, je suis rentré un petit peu dans Signe de Sens par ce prisme-là. Toi, Fanny, tu voulais peut-être compléter par rapport aux autres dimensions d'Elix. Aux autres dimensions. Bah, je sais pas les non, événements. Effectivement, alors après, ouais. je sais pas si c'est la soirée. Si Laurent, tu voulais qu'on parle spécifiquement de ça, mais... Ah non, il n'y a pas vraiment le sujet. Déjà, de vous avoir ici, c'est une chance. Et puis aussi qu'on voit justement toutes les productions de Signe de Sens, parce qu'il y a beaucoup de gens, même pour la communication, j'avais demandé à Sébastien si je mettais plutôt Elix en avant ou Signe de Sens. Et toi-même, tu m'as dit que c'était mieux de mettre Elix, parce qu'il y avait plus de personnes qui connaissaient le produit Elix, enfin le support Elix, que Signe de Sens. Donc là, ça permet d'avoir vraiment une vision beaucoup plus large de tout le travail qui est fait. Parce qu'Elix, c'est un travail vraiment énorme, c'est titanesque en fait, la quantité de vocabulaire, le signaire, qui est une application gratuite. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que l'accès à la langue des signes, faut avoir un peu de sous, parce que c'est pas donné. Et bah, là justement, si, Elix, c'est gratuit, on télécharge l'application, et vous expliquerez après, plus tard, de quelle manière vous arrivez à financer quelque chose d'aussi colossal. À côté de ça, il y a aussi plein de choses que j'ai découvertes. Par exemple, il y a les jeux de cartes, c'était quand... Il y en a d'autres aussi, je ne sais plus comment c'est les noms des jeux de cartes. Il y avait des promotions il n'y a pas longtemps, il y avait des soldes. Il y a plein de choses comme ça qui permettent... Dites-le en langue des signes, voilà. Dites-le en langue des signes avec quelques extensions. Il y a plein d'extensions et ça permet justement d'apprendre la langue des signes de manière un petit peu ludique. Donc même si on n'apprend pas la LSF comme ça, mais ça permet en tout cas d'acquérir du vocabulaire et d'avoir déjà un petit bagage de connaissances pour pouvoir aller plus loin par la suite. Si on accroche, qu'on a envie d'aller plus loin, bah d'après de prendre des cours de langue des signes pour apprendre la syntaxe, la grammaire, l'histoire de la culture sourde. C'était quand? C'est vraiment de la culture sourde pur jus, en fait. Il n'y a même pas de signes, de langue des signes dedans, ou très peu. C'est vraiment de la culture sourde. Donc, c'est pas que la LSF signe de sens, c'est vraiment très, très global. Nous, un des... Alors, il y a effectivement sur Elix, sur le site internet, l'objectif
premier qui était « Oh, je suis désolée, j'ai mon chat qui s'invite. » Ça m'arrive très souvent, ça m'arrive très souvent. À le virer. Non, Elix, il y a effectivement la dimension de base du site, c'était de rendre la lecture plus accessible et de faciliter l'accès à la lecture pour les personnes sourdes. Il y a aussi le fait d'avoir un outil pour garder une trace de la langue des signes, c'est-à-dire que selon les régions, les signes peuvent être différents, etc., et d'avoir un endroit où les gens peuvent aussi échanger sur les différents signes. Et après, l'autre objectif d'Elix en général, c'est vraiment d'amener la langue des signes facilement un peu partout. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Elix ou les jeux de société permettent d'apprendre la langue des signes, parce que ça, on peut y revenir après, mais on passer par la case formation est un peu indispensable. En tout cas, Elix n'a pas l'ambition de remplacer les cours de langue des signes, au contraire. Mais voilà, par le biais des jeux, des soirées jeux, des repas sans son, du site, c'est d'amener la langue des signes un peu plus dans la société et que les gens puissent avoir un accès ludique à cette langue. Et le but ultime, c'est que ça intéresse tout le monde et que tout le monde s'inscrive en formation et qu'il y ait de plus en plus de gens qui parlent la langue des signes. Mais les 60 millions de personnes en France qui parlent la langue des signes, ce serait le top, quoi, voilà. Alors nous, on essaye à notre mesure de quand nous, on organise des soirées jeux dans les bars, donc c'est à partir de nos jeux de société. Hors crise sanitaire, on en organise une fois par mois, on a 30-40 personnes qui viennent et on s'est dit, voilà, c'est ces 30-40 personnes qui vont découvrir peut-être quelques signes, mais qui vont surtout passer un moment où sourd-entendant se mélange et en fait, on s'en fiche un peu de qui est sourd, qui est entendant. Juste l'important, c'est cette soirée et d'avoir accès à une autre langue qui est... Voilà, moi je défends la langue des signes pour plein de raisons, mais de faciliter l'accès à cette langue, en tout cas. Je compte plus les personnes autour de moi qui me disent, y compris une autre personne qui s'appelle Fanny, que j'ai reçue, qui est professeure KPEJS, donc qui est professeur qui enseigne les cours classiques de l'éducation nationale, mais à des élèves sourds. Et avec handicap associé en plus. Donc, et à chaque interview que je lui impose, parce qu'elle déteste les caméras, elle me dit « Je remercierai jamais et assez l'équipe qui se cache derrière Elix, parce que ça l'a tellement aidé au quotidien, j'ai oublié un signe. » Moi-même, j'apprends la langue des signes en ce moment, j'en suis à peu près à 700 signes, c'est rien. J'en oublie une centaine par semaine. Si j'avais pas Elix pour m'aider à réviser, ce serait très 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 compliqué. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est juste fou, c'est hyper pratique, c'est intuitif, on tape un mot, il y a plusieurs vidéos en fonction d'un mot qui peut avoir plusieurs sens, ou alors d'un mot qui peut avoir plusieurs signes en fonction de la région, ou de la durée dans le temps du mot, c'est complet en fait, c'est complet. Même si il n'y aura jamais assez de signes de toute façon, mais c'est déjà rien qu'avec ça, pour trouver des signes qui n'existent pas sur l'application, il faut chercher longtemps, quoi. Alors, il y en a... Il y en a encore. Alors c'est super, c'est vraiment super d'entendre. Je me bats avec mon chat. C'est super d'entendre ça et d'entendre que les gens se servent d'Elix autant. C'est vraiment c'est gratifiant pour nous. Des signes, il en manque sur Elix encore parce que traduire le dictionnaire, je vous assure que ça prend du temps. Ça doit faire 10 ans qu'on travaille sur le sujet. Puis on voit, il y a beaucoup de personnes différentes en plus qui sont filmées pour les petites vidéos. C'est des petites vidéos courtes, mais on voit qu'il y a des sessions de vidéos qui sont faites à la chaîne, quoi. Il y a quelqu'un qui vient, allez, tu signes ça, alors, ça, 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 ça. Et... Alors, du coup, on peut peut-être faire un petit point sur comment ça se passe, les tournages et les récoltes chez nous. En fait, il y a vraiment deux choses très différentes. Il y a les définitions. Donc, vraiment traduire les définitions du dictionnaire. Donc, je ne sais pas, moi, une table, traduire la définition, un meuble où l'on peut déjeuner. Je ne connais pas par cœur la définition de la table. Mais voilà, cette définition écrite, nous, on va faire appel à des traducteurs sourds, donc des personnes dont c'est le métier, qui sont diplômés pour traduire du français vers la langue des signes. Donc, je pense qu'on peut les citer. C'est Vivien Fondeveille et la société Vice-Versa de Toulouse. Donc qui viennent chez nous et qui se font 4 jours de tournage de définition
de traduction de définition. Donc ça, c'est une partie vraiment importante. Et puis après, il y a les récoltes de signes. Et donc là, par exemple, depuis un an, on travaille beaucoup avec des professionnels sourds dans toute la France pour aller chercher des signières spécifiques. Donc on a fait une plutôt grosse session avec des mécaniciens automobiles. Et donc, on est arrivé et on a échangé avec eux pour lexicaliser ce métier de mécanicien auto. Et puis, on continue comme ça d'aller chercher des professionnels dont les signes sont parfois méconnus, en se disant qu'aussi ça peut servir à la jeune génération qui va vouloir faire une formation de mécanicien auto, de boulanger, de plombier, d'avoir justement les signes adéquats. Et puis il y a aussi des gens qui nous contactent en nous disant moi j'ai une passion, j'ai un métier, j'ai envie de participer à Elix. Donc les signes, on est vraiment sur des personnes très différentes, un peu au cas par cas. Il y a des gens qui viennent tourner deux signes et il y a des gens qui viennent une journée complète et qui enregistrent 200 signes. Donc ça, c'est très aléatoire. Mais c'est les deux façons dont on procède. Je suis tombé sur des petites vidéos comme ça qui étaient miennes. Il y a un petit bouchon, un petit garçon tout blond là qui a signé quelques... Ah, je me souviens plus les signes que c'était, mais je suis tombé sur lui. Je me suis dit, c'est tout mignon et tout. Alors je crois qu'il est sur les métiers. J'avais oublié le métier directeur, j'ai regardé la définition, il me semble que c'est directeur, hein. Et je suis tombé, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est Emmanuel Laborie qui a fait... Oui, j'ai apprécié le petit clin d'œil, j'ai fait comme ça, mais c'est Emmanuel Laborie, parce que c'est la directrice de l'IVT. Voilà, L'IVT, ouais, exactement. Dans Emmanuel, on a fait aussi, on a aussi un format qui s'appelle Elix Reporter, alors qui existe toujours, mais c'est quelque chose qu'on va reprendre. Et c'était justement, le but était de faire des portraits de personnes sourdes qui parlent de leur métier et qui parlent de leur parcours professionnel. Donc, je dis ça parce que c'est dans ce cadre-là qu'on a interviewé Emmanuelle sur comment elle en était arrivée à devenir directrice de l'IVT. Et alors, je ne sais plus combien il y en a, je dirais une vingtaine, mais c'est peut-être une trentaine de personnes sourdes comme ça qui expliquent leur parcours et qui ont enrichi Elix de signes spécifiques au métier. Et les interviews, on peut les retrouver quelque part sur le site de Signes de Sens ou d'Elix ? Alors, on a une... Je vais peut-être pas traumatiser ce sujet, Seb, mais... Vous avez une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça ou... On a une chaîne YouTube, Elix TV, où vous allez pouvoir retrouver effectivement tous les différents formats de vidéos qu'on a, donc notamment Elix Reporter, et puis on a d'autres formats. On a fait des recettes de cuisine en langue des signes, donc c'est ma petite cuisine avec Elix. On avait des petites vidéos, des formats humoristiques sur les quiproquos qui peuvent exister entre entendants et sourds, donc qui s'appelle Ma Coloc avec Super Elix. Voilà, donc sur la chaîne Elix TV, vous allez retrouver comme ça tous les formats. Elix TV, je vous la mets dans le chat. Elix Télé. TV. TV. Hop là, Elix TV. Peut-être essayer. Peut-être que Valentine peut le noter si Monsieur Robot l'a laissé. Tac, tac, voilà, c'est parti, c'est dans le chat. C'est bon. C'est dans le chat. Elix TV, 612 abonnés. Abonnez-vous à Elix TV. Abonnez-vous. Et donc il y a ça. Alors, avant que ça se perde un peu dans l'historique du chat, il y avait quelques questions. Tout à l'heure, Sébastien, tu disais qu'il y avait 25 salariés chez Elix. Sur 25 salariés, combien de salariés sont sourds chez Elix ? Alors, il y a 2 salariés sourds. Alors, chez Signes de Sens. Je savais que j'allais faire l'erreur à un moment donné, mais non, pas de souci, mais c'est pour je te laisse. Non, il y a effectivement 2 salariés sourds. Il y a Cédric qui est avec nous ce soir, et puis il y a aussi une autre personne, Emmanuel. Alors on a des personnes qui maîtrisent la LSF au sein de l'association, Fanny, Simon, notre directeur. Il y a Lucille qui nous a rejoint aussi. Et puis tout le monde se forme à la LSF, pour qu'on puisse tous communiquer ensemble.
Rien que de voir Thomas qui interprète en LSF, moi ça m'aide. Là, je suis en train de réviser là, en le regardant. Et je précise aussi que là, on parle des salariés donc, qui sont à temps plein chez Signe de Sens, mais on travaille tous les jours avec des prestataires. J'ai parlé des traducteurs tout à l'heure, mais on travaille aussi avec des comédiens sourds, avec des... Enfin, voilà, on est... Et c'est pour ça que je différencie un peu Signe de Sens d'Elix et que je me suis permis de faire la petite remarque parce que Signe de Sens, ça englobe énormément d'activités. Après, sur Elix, on travaille très, très, très souvent avec des personnes sourdes. Enfin, Cédric, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, mais voilà, on a beaucoup de prestataires sourds. Changement de... On passe au stand. Parce que toi, Cédric, donc, tu es chargé de projet LX, mais tu es aussi formateur, en fait. Tu es un professeur de LSF. Oui, c'est ça, effectivement. Je suis formateur, enfin professeur, pas professeur d'ailleurs, formateur de langue des signes. Je donne. Donc, je donne des cours aux personnes entendantes en apprentissage de la langue des signes comme deuxième langue. Et je donne des cours de langue des signes de niveau débutant jusque de niveau B2. En fait, A1, ça correspond à A1, A2, B1, B2. C'est le CECRL, en fait, les critères européens qui attribuent les niveaux de langue. Et donc, je parle de niveau AB qui correspondent. C'est la même classification que pour les langues orales, hein, quand vous en prenez l'allemand, l'anglais ou d'autres langues. Donc, effectivement, je donne ces cours-là et je travaille aussi dans le cadre d'Elix, où là, je cherche... à prendre contact avec des personnes sourdes qui peuvent nous parler de leurs compétences spécifiques pour faire des reportages. Ben, tout à l'heure, on l'a dit, mais par exemple, si on trouve un professionnel qui exerce dans un métier et qui va connaître les langues particulières à tel domaine, on va aller rencontrer cette personne-là pour qu'elle puisse nous donner tout le vocabulaire spécifique. Ça va dépendre des situations, mais parce que parfois, ça peut ne pas être facile. On peut avoir une quantité de mots, mais pas suffisamment dans certains domaines. Voilà, et donc en plus, je travaille là depuis 6 mois. Alors, je suis encore aussi en découverte. Hein. Il y a des nouveaux projets sur lesquels on travaille avec Sébastien, notamment sur un projet qui s'appelle Coda, c'est-à-dire que je suis filmée. Et on peut travailler à distance. Donc, on récolte des signes. On récolte des signes de la langue des signes à distance. Je vais vous donner le lien, en fait. Mais donc, ça coupe. Ça coupe. Pour l'interprète, ça a coupé. La connexion a coupé. Ah. Ça... Vas-y. Là, tu as récupéré l'image. Ah, c'est bon, c'est revenu. Okay. C'est bon, ça revient. On va créer des signes. Alors, je vais prendre l'exemple. Et on va prendre le mot bonjour, par exemple, et on va faire des enregistrements au fil de l'eau sur les façons de dire bonjour en langue des signes. Alors c'est un tout début, je suis en train d'y travailler avec Sébastien. Pour l'instant, je suis plutôt sur le travail de la recherche des signes, la récolte de signes avec des personnes sourdes, auprès de personnes sourdes. Oui. Pour compléter ce que dit Cédric, en fait, sur ce projet, en fait, c'est... Alors c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui arrive là dans les jours qui vont, les semaines qui vont suivre. Coda, en fait, c'est une plateforme qu'on a développée avec un partenaire qui s'appelle Smile. Donc pour toi, Sandrine, c'est S-M-I-L-E. Hein, c'est une société informatique, qui est une très grande société informatique en France, qui a développé un projet donc, qui s'appelle Coda.
dont l'objectif est d'entraîner une intelligence artificielle à reconnaître des signes. Voilà. Et nous, on est venu se greffer sur ce projet parce qu'on était en pleine crise sanitaire et on devait collecter aussi nous des signes et on s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette plateforme pour nous également collecter des signes. Donc Coda va servir à ça, va servir à la fois à entraîner une intelligence artificielle, donc ça c'est la partie du projet de notre partenaire. Et l'autre partie du projet, c'est cette plateforme qui va nous servir à collecter des signes. Par exemple, je ne sais pas, moi, avec un pilote d'aviation sourd qui habite à Toulouse, par exemple, où on va lui envoyer des listes de signes qui sont autour de la thématique de l'aviation, et lui pourra les enregistrer à distance. C'est pour nous, en fait, c'est... Alors, il y a un double enjeu. À la fois, c'est de répondre à la question de la crise sanitaire, parce que c'était un petit peu bloqué l'an dernier pour aller à la rencontre de notre public. Ce qui était prévu l'an dernier, c'était de faire un tour de France, faire des événements de style 24 heures du signe, où on enregistre le maximum de signes en 24 heures. Enfin, tout ça, tous ensemble en présentiel. Et la crise sanitaire a bloqué tous ces projets-là. Donc, on s'est dit comment... récolter des signes à distance et voilà, il y a eu cette opportunité-là avec ce partenaire. Donc effectivement, Cédric va prendre contact avec des personnes sourdes ou des personnes qui maîtrisent la LSF, qui maîtrisent aussi un vocabulaire spécifique qu'aujourd'hui nous on ne maîtrise pas. Hein. Par exemple, la mécanique auto, c'est aussi des vocabulaires qui sont très spécifiques. Donc c'est répondre à la crise sanitaire et en même temps nous permettre de collecter beaucoup de signes, mais beaucoup de signes aussi spécifiques. Il y a dans les questions qu'il y a justement par rapport à... Alors déjà, dans l'ordre, tu as évoqué un partenaire Vivien qui a visiblement ses supporters. Hein, Vivien, c'est le meilleur, visiblement. et la même personne demande, est-ce que parfois vous inventez des signes s'il n'y en a pas encore des signes existants, comme par exemple des signes par rapport à des supports médias qui sont récents, par rapport à la LSF Twitch, par exemple, le signe, je me souviens plus ce que c'est comme signe, mais il y a le signe pour live, mais Twitch, je crois que c'était comme ça, mais c'est plus inspiré de la SL. Mais est-ce qu'il y a des signes que vous allez dire, on fait notre signe parce que le signe, il n'y en a pas qui existe par rapport à ça. Comment ça se passe? C'est une question qui revient souvent, d'où viennent les signes quand il y en a, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, il faut qu'il y ait des signes pour les nommer. Alors, quand il n'y a pas de signe, il ne s'agit pas d'inventer immédiatement un signe ou de créer un signe. Ça va être à l'usage dans la communauté des sourds, c'est que s'il n'y a pas de signe, il va falloir du temps. Il y en a certains qui vont en utiliser, d'autres pas. Par exemple, Twitch, moi, je ne connaissais pas le signe. Ce n'est pas à moi, je ne vais pas me dire, tiens, allez, je ne connais pas le signe, on va créer un signe. Non, ça va se développer au fur et à mesure dans la communauté, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se dégage et qui devienne le signe officiel. Donc, nous, non, on n'est pas dans cette démarche de dire, allez, il n'y a pas de signe, on crée un signe pour ce concept, on ne fait pas ça. Mais par exemple, pour le virus du Covid, par exemple, c'est un bon exemple, c'est que ça va être quelqu'un qui connaît bien comment ça marche, les virus, enfin quelqu'un qui est spécialiste du domaine, qui va être en capacité de réfléchir à un signe et qui va en proposer un. Et du coup, ça prendra du temps après que les autres personnes dans la communauté acquièrent et adoptent ce signe-là. Ça se fait comme ça. Et Elix n'a pas du tout. En tout cas, Elix, nous, l'équipe d'Elix, on n'a pas du tout les compétences ni l'envie de créer des signes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour inventer des signes, on est là pour récolter et permettre aux gens d'échanger et de valoriser les signes déjà créés. Comme Elix n'a pas l'ambition de valider la langue des signes. C'est une question qu'on nous pose souvent, mais qui valide les signes? Nous, on n'a pas. Enfin,
pas l'impression qu'il y ait une personne qui soit compétente pour valider l'ensemble des signes, mais nous, Elix, on n'a pas du tout cette compétence-là, on n'a pas du tout cette envie-là de valider les signes. Donc, c'est vraiment un outil d'échange parce que voilà, les signes de Paris ne vont pas forcément être les signes de Marseille. Donc, qui va pouvoir dire on valide, en fait, c'est le même problème que le pain au chocolat et la chocolatine, c'est-à-dire que les deux mots sont justes, c'est juste des différences régionales. Comme on avait dit à Paris, un peu c'est comme ça, alors qu'à Marseille, c'est comme ça, un peu comme ça dans le sud. Il y avait des différences avec... certains signes c'était pareil et d'autres c'était différent. Exactement, le signe maman il est différent dans le nord qu'à Paris, qu'en Bretagne, que dans le sud, etc. Donc personne ne peut, et surtout pas nous, surtout pas l'équipe d'Elix, c'est pas du tout notre rôle de choisir et de dire voilà, nous on vient du nord donc on valide le maman comme ça. Non, pas du tout. Donc, voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait une question sur les alertes et les demandes de signes. Ça allait avec, voilà. C'est ce qui sème un peu la confusion sur certaines personnes. Comme on peut demander des signes, à quoi ça correspond ? Je fais une transition très fluide. Non, en fait, nous, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. C'est-à-dire que sur Elix, il y a deux choses possibles. La première chose, c'est d'alerter. C'est-à-dire de nous envoyer une alerte, donc c'est automatique, c'est un bouton, pour nous dire qu'un signe ou une définition n'est pas bonne. Parce que ça peut arriver, peut y avoir, tout à l'heure Sébastien a donné le nombre de vidéos totales sur Elix, donc ça reste de la technique, donc par moment il y a peut-être un peu de couac, il y a peut-être une définition qui n'est pas exactement à la même place, ou un signe avec lequel on n'est pas d'accord. Donc nous, le fait d'alerter, ça nous permet de nous poser sur ces couacs et de dire effectivement c'est un couac, ou bien alors, ce qui peut arriver, non, la personne nous dit que c'est pas le bon signe, sauf que nous, dans le Nord, on fait le signe comme ça, donc on va laisser, et à ce moment-là, on va inciter la personne à rajouter son signe, si elle en a une autre différente. Et puis, y aller, demander les vidéos, puisque Elix, c'est pas... terminé. Il y a des fois, on arrive sur des pages où ils montent des vidéos. Et donc, nous, ça, c'est une liste qu'on récupère. Et selon le signaire, on va aller chercher les personnes compétentes pour remplir ce signe. S'il y a des demandes de vidéos sur les plantes, on va aller chercher quelqu'un qui est plutôt spécialisé en botanique. Donc, voilà. Donc, tout ça prend du temps. C'est pour ça que entre le moment où je clique sur « Demander la vidéo », deux jours après, la vidéo, elle n'y est peut-être pas parce qu'il va falloir aller chercher la personne dont c'est le domaine de compétence, la contacter, organiser le tournage, etc. Là, il y a des choses, parce que moi, j'ai un projet avec mon professeur. Moi, j'apprends avec une professeure de langue des signes française. J'ai des cours particuliers. Et on fait ça en visio avec la Covid. Justement, Covid, un signe qui n'existait pas il y a quelques années. Voilà. Et, il y a un an, on peut dire. Hein. Oui, voilà. et dans mes projets, parce que moi, je suis formateur pour la Croix-Rouge en PSC1, à côté de mon travail d'éducateur. Et donc, j'aimerais bien pouvoir enseigner le module Autrement Capable, qui permet d'enseigner le PSC1 à des personnes sourdes, des personnes muettes, des personnes aveugles. Donc il y a plein de... Enfin, j'ai mes références qui sont là, je les connais par cœur. Mais je me suis lancé un projet, c'est de pouvoir enseigner le PSC1 à une personne sourde entièrement en langue des signes. Et on s'est vite rendu compte que tout le vocabulaire sur l'anatomie, les blessures, etc. Il n'y a pas tout sur Elix, parce que la langue française est une langue riche et c'est compliqué de faire un signaire en vidéo complet. Enfin, c'est une vie suffirait pas, il y a tellement de mots dans la langue française, c'est un travail qui est colossal. Déjà sur le site il y a marqué 15 000 et quelques signes, c'est faux, il y en a beaucoup plus en fait, des vidéos, parce qu'il y a plusieurs vidéos par signe, et je pense que c'est vous trichez pas en fait, vous dites il y a 15 000 et quelques mots qui sont signés, mais si on compte le nombre de vidéos différentes qui existent, on peut multiplier par deux, voire par trois, quoi, le nombre de vidéos qu'il y a. Oui.
C'est important effectivement de dire aussi qu'il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs vidéos pour une même entrée de lexique, hein, justement par rapport à ces différents signes qu'on peut trouver. Tu citais le cas de maman par exemple, où on pouvait le dire de différentes manières en suivant les régions. Donc dans Elix, on va aussi trouver. Alors autant sur la définition, il n'y a vraiment qu'une seule vidéo, puisque c'est vraiment, on prend le français et on le traduit en LSF. Et là, c'est Vivien et Claire, hein, actuellement qui tourne ces vidéos. Et par contre, donc là, il n'y a vraiment qu'une vidéo pour la définition. Par contre, pour les signes, il peut y avoir plusieurs vidéos, justement, pour tenir compte de ces particularités. Ces particularismes. Et puis, comme le disait bien Cédric, voilà, nous, c'est pas nous qui fixons la langue des signes française. Voilà, nous, on reflète plutôt, on est plutôt le reflet de ce qui existe. Voilà. Et donc, oui, j'insiste, il y a une chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il y a un bouton mauvais signe. Il faut vraiment pas hésiter en fait à l'utiliser, c'est-à-dire que dès lors où vous voyez une erreur, voilà, vous nous aidez et vous aidez aussi Elix, vous aidez la communauté en utilisant ces outils-là qu'on vous a mis à disposition. Quand on demande de signes, en fait, on en a beaucoup, 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 parce que comme tu le dis, la langue française est riche. Et bah, là aussi, nous, on doit suivre le rythme. Là, donc, on est en train, alors ça, c'est plutôt voilà, ma partie technique, de mettre en place en fait, des outils qui vont nous permettre, là, prochainement, de traiter beaucoup plus rapidement. Bah pour faire court, en fait, on va générer des listes automatiquement. Là, pour le moment, c'est encore un système qui est artisanal, parce que voilà, Elix connaît un succès croissant, et je dirais qu'on est un petit peu victime de notre succès. Donc, il faut qu'on adapte aussi nos outils à la demande. Voilà. Ok. Il y avait donc dans le même genre, il y avait plein de personnes qui remercient, hein, qui appuient ce que je dis, qui disent oui, moi je révise ma langue des signes avec Elix, merci beaucoup. Ils sont ravis de voir enfin les personnes qui se cachent derrière, donc voilà, il y a... On existe. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Tu voulais dire quelque chose, Cédric, tu voulais compléter ? Oui, on ne peut pas comparer, hein, clairement le mot en français et le signe tout le temps. Il y a parfois des traductions, bien évidemment, qui sont possibles, mais d'autres parfois non. Par exemple, l'apostrophe, il n'y a pas de signe pour ça. Donc, comment traduire ça ? Souvent, on me demande, les personnes me demandent en général, il manque le « là », comment on signe ça ? Mais on ne peut pas le traduire en langue des signes. Donc, il y a des mots que l'on peut traduire, d'autres non. Donc, c'est pour ça, les personnes entendantes ont besoin de se coller plutôt au français, alors que non, c'est deux langues différentes, et il y a des mots qu'on ne trouve pas dans la langue des signes. Voilà. C'est ça. Et il y a des choses qui sont. Il y a certains signes qui sont un petit peu difficiles quand on est entendant, parce qu'il y a. Il y a les différences avec les différentes régions, les différences, et il y a également le temps, parce que la langue des signes, c'est une vraie langue, c'est une langue vivante, donc elle évolue. Et moi, ça arrive souvent, il y a des personnes qui ont appris la langue des signes il y a très longtemps, et me disent non, pas du tout, je l'ai appris comme ça, je suis sûr que c'est ce signe-là. Sauf qu'entre-temps, la langue a un peu évolué et que du coup, les signes changent avec le temps. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant avec le jeu de cartes « C'était quand ?» où en fait, c'est quelque chose avec une frise chronologique. Fanny, tu pourras peut-être l'expliquer beaucoup mieux que moi. Moi, j'explique très mal les jeux. Tous les jeux deviennent très ennuyeux quand je les explique, j'arrive pas à vendre les trucs, mais c'est vrai qu'on peut découvrir la culture sourde et découvrir certaines dates clés de la langue des signes, de la culture sourde. Excusez-moi pour l'interprète, on a eu un petit souci de débit, ça a coupé. Je suis arrivé à Fanny. Voilà, oui, j'ai pas eu la suite, Fanny pourra expliquer mieux que moi le jeu. C'était quand ? C'est un jeu de cartes où en fait on fait des frises chronologiques et il faut deviner à quel endroit se situe une date clé de la culture sourde. Et donc on retourne les cartes pour voir si on a bon, et le premier qui s'est débarrassé de toutes ses cartes
à gagner. Et en gros, les questions, ça va être en quelle année deux personnes sourdes ont eu le droit de se marier ? En quelle année une personne sourde a eu le droit de passer le permis de conduire ? Et il y a beaucoup de choses qui se passent après 1990. On tombe un peu de sa chaise en tant qu'entendant quand on découvre ça, parce que c'est quelque chose qui nous est complètement inconnu, en fait. Je ne sais pas si Fanny, tu pourrais plus expliquer ça un peu mieux que moi. Ben, moi, je ne vais pas être forte pour expliquer un jeu de société. Enfin, je tu l'as fait très bien. effectivement, cette séquence, c'est 100 cartes et c'est 100 dates clés de l'histoire des sourds en France et dans le monde. Et le but, c'est effectivement de replacer des événements dans le bon ordre chronologique. Ce jeu, on l'a fait pour plusieurs raisons. La première, c'était de valoriser ces 100 dates et de pouvoir les diffuser. Et puis parce que c'est l'histoire sourde. Donc pour nous, c'était hyper important que les gens s'approprient ça ou en tout cas en prennent connaissance. Et puis c'est aussi ça, c'est se dire ah ouais, en fait, le permis de conduire, les personnes sourdes, c'est 1959, c'est pas avant, quoi. Et donc se dire aux États-Unis pendant ce temps-là il se passait ça, en Espagne il se passait ça, d'avoir un peu conscience de l'histoire de la langue des signes, de l'histoire des sourds, d'avoir une vision un peu de cette histoire et de ces combats qui ont été menés depuis des siècles. Donc effectivement, on est plutôt surpris de se dire de se dire que ça arrive à ces moments-là. Alors tu parlais des années 90, on va pas refaire l'histoire, enfin sauf si Cédric t'es motivé, mais on parle plutôt à partir de 1970 du réveil sourd en France. Et voilà, c'est les années 70, c'est pas le réveil sourd, ouais. Ouais, c'est pas il y a deux siècles, quoi. C'est quelque chose d'assez récent. Donc c'était effectivement garder une trace de cette histoire et puis se rendre compte un peu de des combats et des difficultés qu'il y a eu pour ne serait-ce que pour la reconnaissance de la langue des signes en France, hein. Ça date de 2005. Donc, c'est ça, puis en tant qu'entendant, ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi il y a souvent des personnes sourdes qui sont un peu énervées, qui se crispent un peu quand il y a des entendants qui font des maladresses. Nous, on se dit, c'est pas grave, pourquoi elles s'énervent ? Bah oui, mais en même temps, regarde, ça fait combien de décennies qu'il y a ces choses-là qui se. C'est un peu le supplice de la goutte d'eau, quoi. Il y a des choses. Qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas été plongé dedans. Nous, on est entendant, donc on est complètement à l'extérieur de tout ça. Et le fait de. Déjà, quand on apprend la langue des signes française de manière académique, avec un professeur, c'est vrai qu'on est obligé de passer par certaines étapes. On va absorber un petit peu de culture sourde par-ci, par-là pour mieux acquérir certains signes. Et c'est tout un univers qu'on découvre, hein. C'est presque une dimension parallèle. Moi je suis fan de comics, souvent je dis quand j'ai découvert la culture sourde, j'ai eu l'impression d'arriver sur Terre 2. C'est vraiment je me suis dit, mais une vie ne suffirait pas à tout apprendre, en fait. Ce qu'il y a à apprendre, c'est tellement vaste, c'est comme si on voulait apprendre toute l'histoire de la France en partant de l'Antiquité, mais c'est impossible. Et là on parle de vraiment de la culture sourde, même à l'international, pas qu'en France. C'est un sujet qui est tellement vaste, on pourrait s'y perdre complètement, qu'on n'en ferait jamais le tour. Toi Cédric, tu as appris la LSF, c'est ta première langue, ou tu l'as appris plus tard quand tu es devenu adulte? Non, moi c'est ma langue maternelle. La langue des signes, c'est ma langue maternelle parce que je suis issu d'une famille sourde. Mes parents sont sourds, mes frères et sœurs sont sourds. J'ai appris la langue des signes forcément en regardant mes parents s'exprimer.
Et ensuite, j'ai intégré donc l'école. Je devais avoir 3 ans hein, quand je suis rentré à l'école. Il y avait effectivement, voilà, il fallait oraliser avec des séances d'orthophonie. Il fallait apprendre le français. Voilà. Mais ça, je l'ai appris sur le tas. En revanche, la langue des signes, je l'ai appris depuis. Bah là, ça fait 40 ans que je m'exprime en langue des signes. Voilà. Parce que là, j'ai du mal à suivre. Vraiment, tu signes. Vraiment, c'est. Bah, quand je te vois signer, c'est comme quand je regarde l'œil et la main. Je me dis, mais jamais j'arriverai à ce niveau-là. C'est pas possible. Bah, peut-être quand j'aurai 80 ans, dans 40 ans. Oui, non, mais je pense que tu vivras plus de 80 ans. Hein. Je vous propose, si vous voulez, j'ai réussi à faire une petite capture. Je mets ça par-dessus le chat, je masque le chat quelques instants. J'ai mis une petite capture de l'application Helix pour montrer aux personnes comment ça marche. Donc là, je suis sur le site Helix, donc c'est helix-lsf.fr, donc dico.helix-lsf. Et pardon, vous allez sur l'onglet et on tape par exemple un tout bête, hein, la base, on tape bonjour. C'est bien ça, je n'ai pas fait de faute, voilà. Hop. Et donc là, on a bonjour, nom masculin, etc. Et on a une petite vidéo. Bonjour. Tout simplement. Et voir les autres signes. Donc après, il y a peut-être d'autres signes. Celui-là. Non, c'est le même. Il y a la définition. Donc la définition, il va y avoir une définition du bonjour. Donc là, ça va signer. Quand deux personnes se rencontrent, il y en a une qui dit bonjour à l'autre. Voilà. Donc c'est vraiment super simple, mais on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière pour parce que là, on se dit bah oui, pourquoi vous en faites tout un plat? On tape un mot, il y a une vidéo, et alors il y a beaucoup de travail derrière parce que c'est 22 018 définitions traduites en LSF, 15 394 signes. Par exemple, je ne sais pas. Tout bête, on cherche une comptine crocodile. Pardon pour l'interprète, j'ai pas entendu 15 000. 15 000, oui, bon, le chiffre c'est 15 394 signes, il y a marqué sur le site. Hop là, Non, tac. Pour effectivement en arriver à la vidéo, il faut d'abord voilà, créer des listes. Ensuite, il y a toute une logistique pour. Fanny rigole, mais. C'est tout un travail très minutieux, c'est toute une chaîne assez minutieuse en fait. Voilà, il faut créer des listes, il y a une logistique pour. Voilà, on a un technicien vidéo, hein, Félicien, on peut le citer parce qu'il est important dans Helix, hein, voilà, qui monte un studio, qui fait les réglages caméra, etc. Ensuite, il faut récupérer ces vidéos, les traiter. Pour peut-être parfois on peut avoir des petits soucis de lumière ou ce genre de choses. Ensuite, il faut les renommer, il faut les importer avec tout le. Alors du coup, on traite aussi du volume. Hein. Donc quand on fait des sessions de tournage, souvent on se retrouve avec plusieurs centaines de vidéos, voire plusieurs milliers de vidéos. Et donc Une le. journée de. Excuse-moi, c'est Ouais. pour appuyer. En fait, une journée de tournage avec les traducteurs, ils font en moyenne entre. Ils font à peu près 250 vidéos par jour. Donc quand Seb dit il faut les renommer, c'est on parle de 250 vidéos. Voilà, D'un c'est coup. ça. Ouais. Et puis voilà, et puis bon, je passe sur des détails, mais voilà, et donc aller jusqu'à l'import. Et en fait, à chaque étape en fait du process, il y a des risques d'erreur. Donc du coup, il faut être minutieux, il faut prendre du temps pour vérifier. Malgré tout ça, voilà, il peut encore y avoir des erreurs à la clé, enfin, qui se retrouvent sur le site. En fait, pour 2021, on a vraiment deux gros objectifs. En termes de contenu sur Helix, c'est vraiment d'augmenter fortement le nombre de signes hein, qu'il y a sur le site, hein, de collecter énormément de signes, mais aussi gagner en qualité. Hein. Donc là, on fait un travail de
de vérification, hein, qui là aussi hein, est un travail qui est long, mais en tout cas pour tenter de corriger le maximum d'erreurs. Alors il y a des moments, c'est des erreurs de placement parce que on utilise beaucoup d'outils informatiques et puis parfois un petit décalage dans le nom des fichiers vidéo, et bien ça peut tout décaler dans Helix. Ou alors c'est une vidéo qui n'est pas forcément qui n'est pas correcte. Donc on fait ce travail là, on va commencer ce travail de vérification. On travaille vraiment sur ces deux axes là pour l'année 2021. Et sur le vocabulaire, je dirais qu'aujourd'hui on a peut-être tous les signes des mots de la vie courante. Aujourd'hui là où on veut aller, c'est vraiment vers le vocabulaire spécifique, les signes spécifiques à des thématiques métiers. Voilà ce qui va faire que Helix sera encore plus riche. Nous, on a, il y a à peu près 125 000 entrées sur un dictionnaire, hein, 125 000 entrées de lexique. Bon, là, on a 37 000 vidéos, donc on est à peu près à 18 000 entrées de lexique. Donc le but, c'est vraiment de vous voyez, il y a encore un écart. Alors après, il y a aussi beaucoup de vocabulaire qu'on n'aura jamais vocation à en face duquel il n'y aura pas forcément de vidéo, parce que si vous prenez la liste alphabétique et vous arrivez au mot acide, vous avez tous les acides possibles et imaginables, acide chlorhydrique, acide... Bon, voilà, je ne suis pas spécialiste en chimie, mais... Mais comme tu disais, en mécanique, ou voilà, s'il y a quelqu'un qui travaille dans un garage, qui parle la langue des signes, il faut qu'elle puisse communiquer avec ses collègues. Tout à fait. Alors après, s'il y a un chimiste parmi les auditeurs ce soir et qu'il connaît tous les signes des acides, alors là, nous, on est preneurs. Mais voilà, donc dans ces 125 000 entrées de lexique, on sait que voilà, il y a pas mal d'entrées qu'on ne pourra, en face desquelles on ne pourra jamais mettre de vidéo, soit parce que Cédric l'a dit, il n'existe pas de signes, soit parce que aussi c'est très compliqué et il faut trouver la personne qui connaisse ces signes. Mais l'an dernier, on a commencé un travail. Enfin, on a récupéré du lexique autour du vocabulaire de l'aviation, de la médecine. Voilà, il y a encore des choses en cours dans ce sens-là, et on va aller de plus en plus dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression, quand on commence la langue des signes, qu'Helix, il y a beaucoup de signes, etc., qu'il est complet. Mais voilà, il y a beaucoup de il y a des manques. Il y a des manques sur du vocabulaire spécifique, et c'est ce manque-là qu'on souhaite combler. C'est une question qui va avec ça. C'est qu'en fait, après, au bout d'un moment, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. L'application, elle est gratuite. Mais comment vous arrivez à... Parce que c'est quelque chose que... Enfin, c'est associatif, mais... Comment vous arrivez à... Ça coûte de l'argent. Déjà, parce qu'il y a les serveurs, il faut héberger toutes les vidéos, il y a... quand bien même ce serait fait sur votre temps libre, il y a des frais qui sont incompressibles. Comment vous avez réussi à créer ça, et comment ça se maintient dans le temps, la gratuité de l'accès à l'application? Alors, il y a tous ces frais-là, et je ne vous parle pas du développement informatique. Développer une application, c'est plusieurs milliers d'euros. Hein, c'est des sommes qui sont assez importantes. Alors, nous, on a eu la chance aussi d'être accompagnés par des super acteurs, par exemple, pour créer l'extension La Bulle Helix et créer la nouvelle application, le nouveau site. On a été accompagné par une association qui s'appelle Chérite, qui est située à Paris, à Station F, et qui met en relation des associations comme les nôtres avec des sociétés, des grandes sociétés informatiques. Et l'extension La Bulle Helix a été financée c'est une forme de mécénat de compétences, hein, c'est-à-dire que ces entreprises nous ont mis à disposition gratuitement des ingénieurs, des développeurs, des consultants pour nous aider à développer l'extension la Bulle Helix. Ensuite, Helix est financé par le modèle économique de l'association, c'est-à-dire c'est un modèle économique où on a des subventions privées, c'est-à-dire il y a des grandes entreprises en France qui lancent des appels à projets auxquels nous on répond,
et qui nous permettent d'obtenir des financements. On vend aussi des produits et des services. Ce qui est les jeux qu'on vend sur la boutique, les livres qu'on vend sur la boutique, c'est l'objectif, c'est ces ventes permettent de financer le développement d'Elix, le développement du contenu. Et puis ensuite, bon, c'est peut-être plus marginal. Alors, dans les ventes aussi, on a une activité de prestation autour du design de service. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément mon domaine, mais grosso modo, on accompagne des structures médico-sociales dans leur transformation organisationnelle ou les accompagner sur une problématique de handicap. Et ensuite, oui, il y a aussi une part de subvention publique, mais qui est un peu plus faible, en fait. Finalement, pour comprendre comment Elix est financé, il faut aller sur la page partenaire d'Elix. Voilà, les logos les sociétés, les structures qui nous financent apparaissent sur notre logo. On peut faire là aussi aujourd'hui un très grand On peut se développer actuellement puisqu'on a été lauréat de la fondation La France s'engage, qui est la fondation de François Hollande. On a été lauréat. Alors c'est un concours. Hein. Il y a plusieurs centaines d'associations qui chaque année se candidatent et on a été retenu en 2019. Oui, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. Ce qui nous a permis de bénéficier de financement, mais aussi bénéficier d'accompagnement. Voilà, donc c'est pour ça qu'Elix reste gratuit. Alors effectivement, parfois on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre de la pub sur Elix pour le financement? Est-ce que... Bon, voilà, non, ça c'est quelque chose qu'on a tranché. Elix restera est gratuit et restera gratuit. Il y a aussi, il faut que je le cite parce que il y a aussi des personnes qui donnent spontanément et parfois c'est. Alors pour nous, il y a une double valeur à ces dons. C'est à la fois quand quelqu'un nous donne 100 €. Pour une application gratuite, c'est qu'on se dit que quelque part, cette personne est satisfaite en fait du service en tout cas qu'on offre. Donc ça, c'est une super reconnaissance. Et en plus, ce don nous permet aussi d'envisager. De tourner des nouveaux signes, de faire des travaux de maintenance informatique, etc. Il y a l'onglet faire un don, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait, oui. Non mais tout à fait. Chaque don, pour moi c'est toujours un grand moment de bonheur parce que pour nous derrière un don il y a un merci en fait. Voilà, ça c'est très très valorisant. Il y a une satisfaction, etc. De la même manière en fait les commentaires qu'on peut avoir sur les stores d'applications. Alors
bah, parfois, voilà, on a des petits soucis techniques et l'application n'est plus disponible pendant une journée. Voilà, on a rencontré quelques soucis là ces derniers mois qui maintenant sont résolus. Donc, parfois, on a des commentaires qui sont un petit peu durs, mais on a aussi des commentaires qui parfois nous font chaud au cœur. On a une plateforme de travail collaboratif entre nous. Alors en plus, voilà, depuis la crise sanitaire, qu'on utilise vraiment énormément. Et à chaque fois qu'il y a un super commentaire, en fait, on le partage à toute l'équipe, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui nous motive vraiment. Vraiment au quotidien, quoi. C'est ses commentaires, c'est ses dons. Et c'est vrai que Elix, c'est coûteux. Hein. Enfin, c'est du temps d'un ingénieur, c'est pas mal d'argent. Et puis, voilà, collecter des signes, etc. C'est un travail très minutieux, Elix. Oui, j'avais coupé mon micro, mais bon, avec ta réponse, avec nos interactions, les gens ont suivi à peu près ce que j'ai dit. Parce qu'il y a Dame Fanny, bah justement, la professeure KPJS, qui m'a envoyé un message pour me dire « Laurent, ton son, il est coupé à nouveau ouais. ». Il y avait un petit peu d'activité derrière moi, donc j'ai coupé pour pas que ça fasse trop de bruit. Mais, ouais. Mais oui, donc les partenaires, je disais que sur le site de Elix, il y avait de signes de sens, pardon. Mm. De Elix, il y avait les partenaires. Oui. Dont le ministère de la culture et il y avait la capacité de faire un don et d'acheter également les jeux, les jeux qui sont très très bien, mais voilà, je vais vous repasser les liens encore dans le chat parce que vraiment moi je vous recommande tout en fait, mais si vous deviez ça dépend ce que vous recherchez, la culture sourde, il y a cet écran qui est très très bien, sinon dites-le en langue des signes, en plus il y a plein d'extensions pour cibler à peu près ce que vous... Voilà, c'est vraiment... c'est pas cher du tout, c'est pas cher du tout. Je t'ai coupé, Sébastien. Oui, on parlait d'Emmanuel Laborie tout à l'heure, mais on a aussi une autre grande personnalité hein, qui a participé, qui a contribué à Elix. Hein. Je parlais de la Fondation La France S'engage, hein, qui est la fondation de François Hollande. Donc, si vous tapez engagement, vous allez voir dans Elix, c'est François Hollande qui signe le mot engagement. Voilà, sur Elix. Voilà. Et François Hollande. Il signe son signe. Son ah, il signe aussi ouais, son signe. C'est ça, François Hollande, je crois. C'est ça, c'est grande beauté, ça. Et là, il y a plein de personnes qui, comme moi, en fait, il y a beaucoup de personnes qui débutent en langue des signes, non, qui apprennent et qui ont un bon niveau, mais pas assez satisfaisant visiblement pour suivre tout ce que signe Sandrine. Donc voilà, ça, Sandrine, les gens envient ton niveau en langue des signes. Alors, du coup, je réponds, parce que alors, Sandrine va pas pouvoir répondre, interpréter, etc. Mmh. Quand on salue le niveau de signe de Sandrine, il faut savoir que Sandrine, elle a fait des études, c'est un diplôme, enfin, être interprète. J'en parlais tout à l'heure quand on parlait des traducteurs, où effectivement, on va pas prendre n'importe qui pour traduire des définitions de dictionnaire. Voilà, les interprètes ont un diplôme. Enfin, je veux juste noter que ça représente des années de travail pour arriver à avoir le niveau de Sandrine et de Thomas d'ailleurs, c'est juste qu'il n'est pas à l'écran. Mais voilà, interprète, c'est un métier. Bah, il se relaye, c'est vrai qu'on a pu le voir avec la Covid-19 quand il y avait le gouvernement qui faisait des discours, il y avait des interprètes en langue des signes qui se relayaient, mais toutes les 10 minutes. Hein, là, ils tiennent super longtemps, Sandrine et Thomas, par rapport à ce qu'on a pu voir à la télé pour les discours d'Emmanuel Macron ou de Jean Castex. Donc, chapeau, vraiment bravo, parce que là, c'est impressionnant. faut de l'endurance. Je pense qu'après, voilà, faudra mettre la main dans la glace à la fin de la soirée. Alors, il y a Valentine, notre collègue qui... s'occupe de la communication dans l'association, qui me signale une question. L'application nécessite une
faut-elle une connexion Internet pour être utilisée? Donc la réponse est oui, hein. Il faut une connexion Internet puisque effectivement vous ne pouvez, enfin les vidéos ne sont pas embarquées dans l'application ou dans le site Internet. Sinon ça remplirait tout votre téléphone sinon. C'est ça, il y a plusieurs gigas. il y a plusieurs gigas. Voilà, on a une société d'ailleurs qui s'occupe des sauvegardes d'Elix. C'était pas chez OBS chez OVH. Alors, nous sommes chez OVH. nous sommes chez OVH, mais on a des sauvegardes. Et puis, quand on a changé de serveur, la dernière fois que je l'avais pris, j'avais le choix du data center et j'ai pris celui de Roubaix. donc on a fait local et j'étais bien content la semaine dernière quand j'ai appris qu'OVH avait brûlé à Strasbourg. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, voilà, qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a un data center qui a entièrement brûlé. Donc toutes les données qui étaient dedans ont été perdues, sachant qu'il y avait des sites internet qui avaient leur sauvegarde sur le même site. Donc il y avait la sauvegarde et la copie de sauvegarde dans le même site. Donc si tout a brûlé, le site n'existe plus, il n'y a plus qu'à tout reprendre depuis zéro, sauf si on a nous-mêmes fait des sauvegardes quelque part. Quand on passe par OVH, en général, c'est que c'est ça notre plan B. Et quand le plan B il brûle, c'est compliqué. Par chance, voilà, tout va bien pour Elix. Voilà, par chance, et puis on a une société, je vais les citer, The Log, parce qu'ils nous accompagnent au quotidien, ils sont vraiment très, très, très sympas. Voilà, ils nous ont mis en place un système et on a des sauvegardes qui sont ailleurs également. Voilà, donc on est une petite structure, mais parfois on fait les choses super bien. On fait les choses super bien, pas parfois, tout le temps. Voilà, il y a des grandes sociétés qui sont faites, qui n'ont plus leurs données, et nous, petite association, on a toujours nos données parce qu'on a bien fait les choses. Voilà. Non, la technique c'est cruel, hein. C'est vrai qu'on est dans un monde un peu dématérialisé. Ouais, on va laisser le temps à Thomas de s'installer. Voilà, c'est bon. C'est terrible, c'est pour ça que voilà, soyez indulgents quand l'application n'est pas disponible pendant quelques heures, ça peut arriver et on fait vraiment le maximum pour rétablir le service le plus vite possible, quoi. Mais il y a toujours un temps, le temps qu'on se rende compte, le temps qu'on appelle les techniciens qui ont les bonnes compétences pour résoudre le problème, que ce technicien ait le temps de résoudre le problème, etc. Voilà, ça peut prendre quelques heures. Mais globalement, en fait, Elix... Le dématérialisé est en fait très matériel, on dit dans le chat. Bah, il faut qu'il y ait une trace quelque part, de toute façon, on n'y échappe pas. Oui, non, mais complètement. Donc j'avais noté quelque chose. Tous les trois, donc Cédric, Sébastien, Fanny, vous êtes tous les trois salariés chez Signe de Sens ou pas tous? Voilà, ça là chez Signe de Sens, ok. Donc c'est votre emploi à temps plein, ok, d'accord. Oui. Mais vous êtes là depuis le début? Vous êtes là depuis le début? Alors moi je suis à mi-temps, hein, pour Cédric. Ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que à côté tu as un autre métier à côté de Elix? Non, pour l'instant non. Non. Pour l'instant, je travaille chez Signe de Sens. Et j'ai préféré attendre un peu. Enfin, pour l'instant, je me consacre à Signe de Sens. On verra par la suite. Mais j'ai quelques projets d'avoir un deuxième emploi, mais c'est pas encore sûr. Donc on verra. Pour l'instant, je suis chez Signe de Sens. Mais toi, par exemple, Sébastien, toi, t'es pas sourd, tu entends, tu signes pas. Non. Pourquoi Elix? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-dedans? Comment s'est développé pour toi l'intérêt pour ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Moi, je viens du numérique. En fait, j'ai travaillé dans des agences web mobiles où on faisait des applications web et mobiles. Donc je suis arrivé avec ces compétences-là de gestion de projets numériques. Quand je suis arrivé, en fait, le Signe de Sens avait ce besoin d'avoir une personne qui puisse gérer toute la technique, gérer un projet numérique, etc. Donc, en fait, moi, je... Alors,
j'avais quand même une petite particularité, c'est que j'ai toujours travaillé dans des domaines éducatifs et culturels. Et en fait, ça m'a... Alors, quand on habite dans le Nord-Pas-de-Calais, au niveau digital, numérique, souvent, c'est le e-commerce. Hein, parce que c'est... Voilà. Donc, moi, j'ai toujours trouvé un moyen de ne pas faire de e-commerce, mais plutôt de faire de l'éducatif, du culturel. Donc, j'ai travaillé auparavant sur des sites pour des musées, pour des, dans le cadre d'expositions. J'ai travaillé pour France 5 Éducation, voilà, dans une vie antérieure. J'ai travaillé pour des éditeurs aussi. Donc, je suis arrivé par ce prisme-là. Voilà, je suis arrivé avec mes compétences. Donc l'apprentissage de la LSF, là, c'est en cours avec Cédric qui nous forme chaque lundi pour ceux qui ne maîtrisent pas. Voilà, mais je me suis pris Enfin, c'est devenu une vraie motivation, en fait, Elix, d'abord Signe de Sens et Elix plus particulièrement, parce que déjà, techniquement, c'est très ambitieux. Au niveau des process, il faut vraiment organiser les choses. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, en fait, c'est complexe entre le moment où on décide de tourner des signes et de mettre une vidéo. Et puis, pour moi, c'est un projet qui a vraiment du sens. Moi, je viens... Alors, il n'y a pas de personnes sourdes dans ma famille, mais j'ai du côté de ma mère, en fait, mon grand-père est né sans oreille et sans conduit auditif. Donc, en fait, il y avait une mauvaise... il était plutôt malentendant et c'est pareil, dans l'élocution, il y avait des difficultés. Et j'ai des oncles qui sont nés aussi avec la même malformation, des cousins qui sont nés avec la même malformation. Ma mère aussi qui n'entend pas d'une oreille. Alors, c'est étrange parce que quand j'ai postulé à Signe de Sens, tout ça, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'était normal en fait. J'ai vécu dans cet environnement-là où avec des personnes qui étaient plutôt malentendantes, avec vraiment des problèmes aussi de communication. Et puis, c'est 6 mois après que j'étais embauché, j'en ai discuté avec mon directeur. Je lui ai dit, mais en fait, je t'en ai jamais parlé, mais dans ma famille, il y a des personnes qui sont malentendantes. Donc voilà, il y avait peut-être quelque chose d'inconscient dans le fait de postuler à Signe de Sens. Et moi, vraiment, je m'épanouis dans cette association et aussi dans ce projet, quoi. Et... Merci d'avoir expliqué. Toi, Fanny, pourquoi ? Parce que toi, par contre, tu signes. Toi, oui. c'est quand que tu as appris la LSF, toi ? Il y a encore le retour du chat. Ouais, à chaque fois que je dois parler. non, alors moi, en fait, je suis comédienne de formation. J'ai fait les conservatoires et à la sortie de conservatoire, j'ai été prise dans un spectacle où il y avait un comédien sourd. Donc moi, c'était en 2006, je pense, 2007. Donc moi, je suis arrivée avec en ne connaissant rien à la langue des signes, en ne connaissant rien aux personnes sourdes. Et donc, je suis arrivée sur ce spectacle-là. Et donc, j'ai commencé à parler comme je pouvais avec ce comédien sourd. Alors, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'étais comédienne et puis je n'avais pas trop peur de mimer et de grimacer. Et puis voilà, j'ai commencé à apprendre un peu la langue des signes. Et puis ce comédien était accompagné d'une personne qui jouait aussi dans le spectacle et qui avait une petite asso à l'époque, qui était Signe de Sens. Et donc, c'était le directeur Simon Aurier. Et donc, à l'époque, il cherchait quelqu'un pour travailler en binôme avec ce comédien, notamment pour faire des interventions dans les écoles. Et voilà, ça a débuté comme ça. Donc, j'ai jamais pris de cours de langue des signes de ma vie. Donc, j'ai une langue des signes qui est parfois un peu maladroite. Mais j'ai une langue des signes de terrain, c'est-à-dire que depuis 2008, je parle la langue des signes tous les jours, quoi. Voilà, donc au début, je suis arrivée juste pour un petit contrat
pour faire des animations dans les écoles. Et puis, 13 ans après, on en arrive là. Oui, et puis en plus, la 2008, donc ça fait 3 ans. Attends, non. Non, 13. 13 ans, ouais, parce que je me disais. Ouais, parce que je me disais, parce que avant qu'on démarre le live, t'as un petit peu parlé avec Cédric en LSF et tu signais super bien. Je me suis dit, en 3 ans, mec, comment elle. Non, 13. 13, voilà, 13. Ok. Il y a du boulot quand même, okay. il y a du boulot, mais c'est pas juste histoire de. C'est pas. Il y a mon chat qui fait des cascades derrière lui. Il passe pas devant la caméra, ah ouais, mais il fait du bruit quand même. Chacun son tour, hein, je me sens moins seul. Mais pour la langue des signes, donc alors, les questions qu'on me pose, mais tout le temps, à chaque live, parce que moi, ma professeure, c'est une vidéaste, hein, c'est une vidéaste. Voilà, il est là, voilà, voilà mon chat, voilà, il est là. C'est Mélanie, son pseudonyme sur YouTube, c'est Mélanie Diff. Diff, donc sourd en anglais. Elle a deux chaînes, donc une chaîne Mélanie Diff où elle va parler beaucoup de culture sourde, de faire des vlogs, etc. Et une autre chaîne qui s'appelle Signe de main, avec le 2, c'est avec le chiffre 2, Signe de main. Où là, ça va ressembler un peu à LX, où il y avoir beaucoup de vidéos de 3 à 6 secondes avec des signes, etc. Beaucoup moins pratique qu'LX, hein, parce qu'il faut chercher, etc. Et elle est devenue professeure de langue des signes. Elle a appris la langue des signes parce que Elle est jeune, j'ai presque le double de son âge. Elle a pu prendre la langue des signes en option au bac. Ça venait d'arriver en option au bac, elle a pu l'apprendre en option. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à l'apprendre. Et puis quelques années plus tard, maintenant, elle est devenue professeure de langue des signes française. Donc elle enseigne la langue des signes en collège, au lycée, à des entendants, à des personnes sourdes. Et elle donne des cours aussi particuliers à des personnes comme moi, voilà, des particuliers. Et elle a plus de place en fait. Elle fait ça toute la semaine en fait. Et c'est très fatigant. C'est pas Thomas qui me contredira là-dessus. Et la question qu'on me pose tout le temps, c'est oui, Mélanie, elle a plus de place, ok. Mais toi, donne-nous des astuces pour aller apprendre la langue des signes parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut ceci, il faut cela. Vous. Or, souvent, je renvoie vers Elix, évidemment, pour avoir déjà un petit vocabulaire de base, pour qu'on voit si on se sent à l'aise. Mais pour les vrais cours, pour vraiment apprendre la grammaire, la syntaxe, apprendre à manier la langue des signes, quels seraient vos conseils? Vous avez des formations qui existent en langue des signes française avec différents niveaux, débutants, etc. Cédric est chargé de ça, mais est-ce que tout le monde peut y accéder ou faut être plutôt dans le nord de la France ou n'importe qui peut s'inscrire pour suivre des formations auprès de Signes de Sens. Alors, il y a eu, pour l'interprète, un bug, un problème de connexion. Oui. Donc, j'ai pas tout entendu. Alors, dis-moi jusqu'où tu as entendu. J'étais arrivé aux personnes qui souhaitent apprendre la langue des signes, les écoles. Voilà, j'étais arrivé à ce niveau-là. Oui, en gros, est-ce que Signe de Sens, parce que bon, vous ne pouvez pas parler de toutes les solutions qui existent, mais en tout cas pour vous, est-ce que la langue des signes, on peut l'apprendre avec Signe de Sens, quel que soit l'endroit où on est, ou est-ce qu'il faut être plutôt dans le nord de la France comment ça se passe avec vous pour ceux qui cherchent une solution pour apprendre la langue des signes de manière académique? Alors, oui, Signe de Sens, propose des formations en langue des signes. On voit hein, sur le site de Sens les niveaux, hein, les différents niveaux, les plannings de formation. Donc, vous pouvez déjà aller voir effectivement le planning sur le site et vous inscrire par la suite. Alors après, effectivement, nous, nos formations, elles se font à Lille. Donc, il y a des gens qui se déplacent à Lille pour suivre nos formations. Après, il faut savoir que dans toute la France, il y a des centres de formation à la langue des signes. Il y en a forcément quelque part dans votre région. Sur Paris, tout le monde connaît l'IVT à peu près. Enfin, je dis tout le monde. La plupart des gens connaissent l'IVT avec Emmanuel Laborie. Il y a d'autres choses, mais pour Signe de Sens, ça va être essentiellement dans le nord de la France, quoi, pour l'instant. Alors, pour nous, les formations intensives qu'on organise, oui, nous, ça va se passer à Lille. Après, on a des gens
je crois, Cédric, dis-moi si je me trompe, mais je crois que le dernier groupe, il y avait des personnes de Normandie qui étaient venues. Enfin, voilà, il y a des gens qui se déplacent pour les semaines. Et après, nous, on a des sensibilisations où là, on se déplace dans toute la France. C'est-à-dire qu'on peut aller faire une sensibilisation dans une entreprise, dans une médiathèque. Voilà, il y a deux semaines, j'étais à Clermont-Ferrand, Cédric était au Mans. Enfin, voilà, donc nous, on a aussi, toutes nos actions, on a plutôt un rayonnement national. Après, c'est pour des collectivités, des entreprises. Pour les particuliers, il faut plutôt venir à nous. Ok. Comment ça se passe pour les... Tu parlais, Fanny, de formation intensive. Est-ce que toi ou Cédric, vous pouvez expliquer comment ça se déroule, une formation intensive, qu'est-ce que c'est? On imagine un camp militaire où on rampe dans la boue quand on entend ça. Formation intensive, en gros, sur une semaine, qu'est-ce que vous proposez comme type de module? Ouais, du coup, je te laisse répondre, Cédric. Oui, formation intensive, non, ça n'a rien à voir avec certaines formations militaires. Voilà, moi, je sais pas. Après, peut-être que oui. Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un programme. Donc, dans un premier temps, on suit un programme avec une progression. Hein, donc, au début, on va être sur des cours. Voilà, on va commencer par les bases. Et quand on dit cours intensif, on parle de 30 heures. Ça correspond à une semaine. Donc, on a 6 heures de cours par jour. Donc, le niveau A1, il y a en tout pour ce niveau-là 120 heures divisé par 4 semaines. Ces 120 heures étalées sur 4 semaines à 30 heures chacune. Voilà, après, dans cours intensif, bien évidemment, je m'adapte au public que j'ai devant moi, je vais suivre leur rythme avec les différents niveaux, les différents profils. Voilà, l'objectif, c'est d'atteindre le programme, hein, ce qui est prévu, sur le niveau, par exemple, 1-1. Voilà un peu comment ça se passe. Ok. Les 4 semaines du niveau A1, est-ce qu'on peut les faire à la suite ou alors en général elles sont espacées les unes des autres ou peut-être les deux? Vous proposez différentes choses, comment ça se passe? Alors il y a deux possibilités, ça dépend de la disponibilité des personnes, des besoins, parce qu'il y a des personnes qui en général travaillent donc ils ne sont pas disponibles, donc il y a des possibilités de formation effectivement à la suite. Ce qui est important, c'est d'avoir 2 semaines de cours avec une semaine de pause entre guillemets et de reprendre 2 semaines. En fait, c'est un cycle comme ça. C'est important d'avoir une pause entre 2 semaines intensives, une semaine de pause. Et ça dépend après des centres de formation. Hein. Chaque centre de formation fonctionne différemment. Et il y a des semaines à la suite. Voilà, c'est les 4 semaines d'un coup, d'autres avec des pauses intermédiaires. Ça dépend. Mais l'importance pour moi, c'est qu'il y ait une rupture quand même entre les formations pour pouvoir souffler un peu. Et effectivement, il y avait une amie qui m'avait aidé à faire une vidéo en langue des signes il y a très longtemps. J'avais pas encore commencé à apprendre la LSF, donc j'avais vraiment fait du miroir avec elle pour retranscrire une vidéo en langue des signes. C'était pour une vidéo de 1er avril, en fait. On voulait sensibiliser notre public à l'intérêt des sous-titres en français sur les vidéos en français. Donc on avait fait une vidéo en langue des signes. Pour leur montrer que s'il n'y avait pas eu les sous-titres, ils n'auraient pas pu en profiter. Et c'était une vidéo qui parlait du travail bénévole, je crois. Donc ça ne parlait même pas de langue des signes. C'était vraiment un vrai épisode sur Point de vue social. Et cette personne-là m'expliquait que il y a des gens qui faisaient tous les modules à la suite, mais que c'était super dur parce que déjà, il y avait la fatigue musculaire. Quand on n'est pas habitué à signer, c'est une douleur vraiment physique, il y a les tendons partout au niveau des doigts. Moi, rien que quand j'ai appris mon alphabet, le E, j'en pouvais plus de faire le E. Enfin, voilà, c'était vraiment difficile. Et aussi, il faut le temps que l'esprit digère un petit peu les informations. Elle disait que si... Elle ne comprenait pas comment les gens faisaient pour faire tous les modules à la suite. Elle disait, moi, je peux pas. Des fois, la nuit, elle rêvait qu'elle signait, elle voyait des signes sur son plafond. Ça faisait beaucoup, beaucoup d'informations. Et le terme formation intensive,
n'était pas exagérée pour elle parce que c'était vraiment quelque chose que c'est physique. C'est physique, c'est difficile mentalement, c'est beaucoup plus dur que d'apprendre une langue vivante parlée. La langue des signes, en tout cas, c'est comme ça qu'elle l'avait vécu. Et par rapport à ce que tu dis, que tu veux qu'il y ait une pause, ouais, je comprends complètement. Oui, oui, effectivement. Et en plus, c'est vrai que pour vous qui entendez, vous avez l'habitude de vous baser sur votre audition, sur ce que vous entendez. Quand vous apprenez de l'anglais, par exemple, c'est toujours votre oreille qui travaille, votre cerveau qui travaille. Le cerveau, il a l'habitude que ça passe par ce canal-là. Et d'apprendre la langue des signes, ça passe plus par le canal auditif. On vous demande de faire tout à fait le contraire, c'est de couper le canal auditif pour travailler uniquement avec les yeux. Et c'est pour ça que c'est très, très fatigant pour vous. Ça ne rentre pas de la même façon. Et par exemple, à l'inverse, moi qui suis sourd, si on met des appareils auditifs, par exemple, et que je dois m'entraîner à entendre, à écouter, c'est très difficile et très, très fatigant aussi. Vous voyez, bah, pour vous, c'est le même principe, mais dans l'autre sens. C'est très, très fatigant de travailler uniquement avec les yeux. C'est ça. Fanny, toi, tu disais, tu as appris sur le tas. T'as fait aucune formation. C'est vraiment que sur le tas. À force de communiquer avec tes amis sourds, ça s'est fait comme ça naturellement au fil des années. Ouais, oui, naturellement, ça n'a pas été simple non plus. Hein, mais disons non, effectivement, moi, j'ai jamais pris un cours de langue des signes. Après, j'ai été très vite dans le quotidien avec les personnes sourdes, c'est-à-dire que on était sur un spectacle, donc on partait 2 jours avec des personnes sourdes. Il fallait que je me débrouille en fait, sinon c'était 2 jours où pour le coup c'était moi qui étais toute seule, quoi. Donc ça a été progressif, hein, ça s'apprend pas comme ça. Et puis je continue d'apprendre encore avec Cédric qui continue très imprès de me corriger, notamment mes chiffres. Qu'est-ce que je me suis fait gronder par ma professeure avec les chiffres. J'ai mis longtemps avant de compter correctement jusqu'à 20, moi. Ah, ça va, je suis non, pas non, tout mais... seul à me tromper dans les signes, alors je suis rassuré là, parce que on est ensemble. non, mais voilà. Après, je pense que ça c'est ma. Je pense que c'est bien de faire les deux. Je pense que c'est bien de s'inscrire aux formations, mais de côtoyer des personnes sourdes à l'extérieur, d'aller chercher des activités, des cafés signes quand les cafés rouvriront. Mais oui, ça c'est difficile. Ça, franchement. Je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut aussi voir, parce que on a l'habitude d'informateur, par exemple, quand on apprend la langue des signes. Or, c'est comme le français, les personnes sourdes signent un peu différemment. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, enfin, la formation, c'est hyper important, mais il ne faut pas oublier d'aller se cultiver à côté, je pense. Si on signe tout le temps avec la même personne sourde, on peut avoir des difficultés à comprendre d'autres personnes qui ont des petits tics différents, des manières de signer différentes. Des trucs de région. Hein. Moi, j'ai appris dans le Nord. Je suis restée dans le Nord avec des personnes sourdes qui venaient du Nord. Et après, j'ai travaillé à l'IVT. Je me suis retrouvée avec des sourds qui parlaient de Paris et qui parlaient la langue des signes plutôt parisienne. Et là, j'ai fait « Ah !» Ok, il faut que je tienne 3 semaines et c'est hyper riche. Et maintenant, pareil, j'ai retravaillé sur un projet avec des sourds qui venaient de Toulouse et c'est un peu différent. Donc, il faut, les expressions ou les accents, comme Dame Fanny, la professeure KPJS, qui disait elle est de Bordeaux. Donc elle dit à Bordeaux, on dit gavé. Moi, gavé bien. À Paris, on ne comprend pas quelqu'un qui dit ça. Enfin, voilà, il y a des expressions aussi régionales, il y a des signes. Et tout à l'heure, Cédric, tu t'expliquais qu'il fallait vraiment communiquer avec des personnes sourdes. Moi, avec... Pardon, Laurent, ça a complètement coupé. Désolé. C'est bon. Non, c'est moi. Dis-moi le dernier truc que tu as dit. Oui. Avant toi, Cédric, tu t'expliquais que c'était important. Tu m'as toujours ? Non ? Non, a priori, il y a un problème. Il y a un petit problème. C'est une petite chute de réseau Internet. Revient. C'est revenu, ok. Oui. Donc, je disais tout à l'heure, Cédric, il expliquait
C'était important de vraiment de parler avec des personnes sourdes pour apprendre la langue des signes. Moi, Mélanie, donc c'est ma professeure de LSF. Mélanie, elle est sourde. Bon, elle est appareillée, mais elle est sourde. Et en fait, quand on est en visio avec la caméra, on coupe le micro. Donc moi pendant une heure, je suis sourd. On fait exprès de couper les micros et on peut communiquer que en LSF. Et ça me permet, en plus du fait que c'est des cours particuliers, le fait de ne pouvoir m'exprimer que en langue des signes, c'est ce qui m'a permis d'avancer super super vite et d'avoir plusieurs centaines de signes en quelques semaines. Après, si on pratique pas, je vois pendant les vacances, quand on n'a pas de cours pendant 15 jours, tout ce que j'oublie, oh là là, c'est horrible, ça part tellement vite. En langue des signes, apprendre, mais c'est super facile. Ce qui est difficile, c'est vraiment de se rappeler. C'est vraiment de pas perdre et de pratiquer, de réviser, de communiquer avec plein de personnes sourdes. C'est difficile à cause de la Covid. Donc là, je vois tous les groupes sur Facebook. Ils sont tous en train d'attendre, ils sont comme ça, ils attendent que les cafés réouvrent pour pouvoir se rassembler. Je suis sur une dizaine de groupes Facebook pour des cafés des signes, il y a tout le monde qui attend. On a un problème de connexion chez Sandrine, du coup... Dis-moi Sandrine, jusqu'où tu as eu ? Non, en fait, c'est Cédric qui n'a pas eu la fin, je pense. D'accord. Là, il m'a manqué oui. Tu parlais du Covid. Ouais, je parlais avec du Covid. Le Covid, Facebook. Ouais, sur Facebook, je suis inscrit sur des dizaines de groupes d'entendants qui apprennent la langue des signes et qui attendent que les cafés réouvrent pour pouvoir se rassembler pour réviser ensemble, en fait. Donc, ils sont tous là à dire « Ah, peut-être cette semaine, on pourra peut-être se rassembler. » Ils sont comme ça, puis dès le vendredi sur les groupes Facebook, « Oh là, c'est pas pour cette semaine. » Donc voilà, c'est compliqué pour démarrer un apprentissage en ce moment et pour pouvoir réviser, quoi. Parce que là, moi actuellement, si je veux voir des personnes signer à part ma professeure, je vais sur internet, je vais regarder l'œil et la main, quoi. Voilà, ou alors des youtubeurs sourds, je vais voir des vidéos, mais c'est vrai que pour communiquer vraiment en live avec quelqu'un, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est confiné et que voilà, on va se documenter, mais on va pas pouvoir nous exprimer et avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, excuse-moi, tu peux répéter ou recommencer. » On ne peut que consommer des médias ou des documentaires ou des choses qui parlent de langue des signes, mais pour pratiquer, en ce moment, c'est vraiment pas évident. Donc les personnes qui veulent ne serait-ce que réviser ou se mettre à la langue des signes en ce moment, ouais, c'est un peu la galère. C'est vrai que par rapport à Facebook, YouTube, enfin, etc., il y a des groupes qui se créent, mais il faut voir par qui les groupes sont gérés. Ça peut être sympa quand quelqu'un apprend la langue des signes et met en place un groupe, effectivement, mais il faut faire attention parce qu'il n'est pas formateur, il n'est pas professeur. Et est-ce qu'il a bien acquis la grammaire de la langue des signes, etc. Est-ce qu'il est coaché? Donc, moi, je trouve l'idée super, mais il faut juste avoir un point de vigilance par rapport à ça et d'avoir pourquoi pas un coach d'un centre de formation qui vérifie tous ces aspects-là parce que ça peut être néfaste malgré tout. Bon, on sait qu'il y a la situation exceptionnelle liée au Covid, hein, bien sûr, mais donc il va falloir, parfois quand les gens reviennent en formation, il y a beaucoup de choses à revoir et à corriger parce qu'il y a des choses qui ont été mal vues. Oui, on voit le Cédric qui a le sourire un peu crispé parce que j'imagine qu'après, les élèves, quand ils reviennent de vacances ou de week-end, ils voient toutes les erreurs qu'ils ont pu ancrer dans leurs habitudes à force de communiquer avec d'autres élèves qui cultivent un peu ces erreurs-là entre eux. Exactement, oui. Exactement.
Mais c'est pour ça, mais c'est aussi par rapport à LX par exemple, il y a des mots qui ont des sens différents. Les entendants vont apprendre tout seuls sur LX et vont croire que c'est la vérité vraie, entre guillemets, quoi. Et parfois, il y a des erreurs. Il y a des erreurs et on est obligé de reprendre, de dire attention, attention à tel, tel aspect. Parce que apprendre tout seul, c'est juste impossible. Enfin, impossible. Mais à condition de rencontrer, c'est possible, à condition d'avoir des conseils, de rencontrer des personnes sourdes. Il y a beaucoup de conditions. Le plus important dans la langue des signes, c'est quand même la grammaire, ce qui est primordial. Bah, ça se voit. Moi, je débute et moi, je fais du. J'attends que Thomas arrive. Ça se voit. De toute façon, moi, je débute et pour l'instant, je fais du français signé. Je fais pas vraiment de la LSF. J'ai accumulé énormément de signes. Et là, on commence tout juste à attaquer la grammaire, la temporalité, parler au passé, parler au présent. Dans le chat, au début, il disait « Laurent, tu as révisé le va-va pour voir si Mélanie allait te gronder, que tu avais bien retenu le touche fini pour les lieux et pas pour les actions. » C'est compliqué. J'ai mes cours qui sont là, voilà, j'ai tous mes cours qui sont là sur le trait. Et c'est une vraie langue, en fait. C'est pas juste du français, on remplace les mots par des signes. Il y a vraiment toute une grammaire et tout plein de choses à comprendre et à retenir par la pratique. On avait une question, tu voulais peut-être compléter, Cédric, non ? Non, 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 non. Non, on avait une question sur le chat, sur depuis quand LX existe. C'est 2012, hein, je crois, Fanny, hein, c'est ça que le premier... Il me semble, ouais, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'Elix existe. Ok. Alors là, je vois qu'il y a Flavie, GNZ. Non, c'est pas quelqu'un de chez vous. C'est les cours de l'SF à distance. Les cours en LSF à distance depuis le mois de novembre sont pas simples du tout. On doit être en groupe et travailler en visio. Sauf qu'il y a toujours une personne qui ne peut pas sur le créneau réservé. C'est comme les profs d'anglais qui vont avoir sur les copies des gens qui mangent des layers ou qui font appel à des avocados pour se défendre. On n'a pas besoin de signes pour voir que Fanny ne sait pas quoi. On n'a pas besoin de signes pour voir... Bon, j'ai pas trop compris la formulation. Il y a des mots qui sautent des fois sur le chat. Mais il y a... De l'ESF. Est-ce qu'il y a... C'est parce que quand Sam me pose une question et que je fais... Ok. D'accord. C'est assez expressif. Je pense que c'est la date de création d'Elix, ok. La date de création d'Elix. J'ai fait une code dite, je sais pas. Comme le même internet de Jean Castex, là. Comme ça, avec les yeux. Bah écoutez, si vous avez encore des questions, que ce soit sur Elix, sur signes de sens, sur la langue des signes ou bien sur la surdité en général, n'hésitez pas à y aller parce que bon, il est déjà 22h. Il est déjà 22h. Je ne sais pas, Sébastien, Fanny, Cédric, est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez aborder et qu'on n'a pas encore évoquées depuis le début de la soirée ? Moi, non, je trouve qu'on a fait un tour plutôt complet. Après, il faut aussi se dire que bah, nous, on a tous les réseaux sociaux. Si vous voulez rester connecté à nos actions, donc on a le Facebook Signe de Sens, on a le Facebook Elix, on a l'Instagram Elix. Après, moi, je ne maîtrise pas Twitter, tout ça, mais on doit avoir aussi. Et que surtout, on est dispo. Si vous avez des questions, maintenant, vous avez nos visages. Donc, peut-être un peu moins peur, mais sur Elix, il y a une adresse pour nous contacter. Donc, si vous avez des questions, des remarques, etc., on est toujours preneur de tout. Hein. Vous êtes réactif. De toute façon, c'est comme ça que s'est faite cette soirée. En fait, je vous ai contacté par Twitter. La personne qui m'a répondu, Sam, m'a mis en relation avec Sébastien. Et puis, quelques semaines après, dès qu'on a réussi à aligner un peu les planètes pour qu'on soit tous disponibles en même temps le même soir,
ça s'est fait. Donc, Non, on essaye d'être un peu réactif. C'est notre service com qui est au top. Ouais. Qui se fait censurer par ton robot là, mais sinon. Je sais pas, pardon, je suis désolé. Non, je suis désolé. Non, parce que des fois, il y a des gens qui abusent un peu, qui envoient beaucoup de trucs, et j'avais pas prévu que ce soir il y aurait beaucoup d'informations à donner, j'aurais dû le désactiver, mais. Non, voilà. T'inquiète, c'est pour taquiner Valentine. Bah, Désolé Valentine. Mais voilà, mais en tout cas, on essaye d'être au plus réactif possible. Okay. Non, mais on est sur effectivement sur les réseaux sociaux, et puis on peut dire aux personnes qui suivent le live actuellement, enfin, elles peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux pour se tenir informées de l'actualité d'Elix. Elles peuvent s'inscrire aussi à notre newsletter sur le site d'Ico Elix. Il va y avoir là dans quelques semaines, on va mettre en place on va ouvrir la première formation e-learning donc c'est un module d'initiation. Vous pourrez retrouver les visages de Cédric et Fanny maintenant qu'ils vous sont familiers pour cette formation en ligne. On restera attentif à ça, mais en tout cas je partagerai. On est des petites stars, Fanny et moi, du coup, c'est ça. On est des petites stars. Voilà, et puis on est aussi présent sur Instagram. Alors aidez-nous à franchir la barre des 5000 followers. C'est comme Instagram. Ça qu'on dit. Alors moi, du coup, je suis même pas sur Instagram. C'est ça. Instagram, j'y suis aussi, mais je crois que je suis même pas abonné à Elix sur Instagram, c'est scandaleux. Alors Laurent, tu nous l'aurais dit avant, on serait pas venu. Hein. Ah là là, c'est scandaleux. Instagram, vous êtes sur TikTok? Non. Non. Non, on est pas un peu trop là, ça va trop loin, ça va trop loin. Non. Ah mais on en parle. Ouais. Ça marche bien, parce que TikTok, mine de rien, il peut y avoir des vidéos courtes en langue des signes qui sont super, qui se partageraient énormément quoi, auprès des plus jeunes. Parce que c'est vrai que bon bah Facebook c'est un réseau, c'est voilà, on a nos grands-parents dessus, donc voilà, c'est pas le même public en fait. Chaque réseau a son public, et c'est vrai que TikTok ça permettrait de toucher des personnes qui sont justement plus ou même qui ont jamais été sur Facebook. Je vais regarder Elix. Yes, j'ai trouvé Elix sur Instagram. Hop là. Et ben voilà, 4980 abonnés, et encore 20 abonnés, vous passez la barre des 5000. On y va, on passe la barre des 5000 ce soir. Vous êtes combien là, suivre le live ? Regardez, là, mais là, on peut les passer, parce que regardez, je vais mettre le lien dans le chat. Hop, voilà, là normalement en direct, on passe la barre des 5000 normalement. Là franchement, vous êtes 35, il manque 20 abonnés. Si on n'a pas de chance, tout le monde vous suit déjà sur Instagram. Donc on va voir si ça bouge. Allez-y. Donc on va voir ça en direct. Mais il y a les vidéos. Ah bah d'ailleurs, il y a une petite vidéo avec Cédric déjà. Qui signe, voilà. On voit. Joyeuse Saint-Valentin. Donc, ok. C'est compliqué de suivre l'évolution de tous les réseaux sociaux. Il y en a un qui s'ouvre. Oui, c'est passé à Saint-Valentin. Ça commence là, 4981, ça commence à venir. Voilà, les gens suivent le lien. Donc non, c'est cool. Bah... Non, mais on est déjà sur Instagram. Maintenant, il y a TikTok. C'est très dur de suivre. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Bienvenue dans le monde des influenceurs. Voilà. C'est surtout qu'il faut qu'on se dise qu'on est vieux, Seb. Alors moi, de toute façon, j'ai loupé Facebook, donc déjà j'étais mort. Donc... Non, mais là, c'est Instagram. Je comprends, moi, c'est Twitter et Facebook, parce que Instagram, j'ai un compte Instagram, mais parce que la Croix-Rouge, elle nous a demandé elle a demandé aux bénévoles de devenir un peu ambassadeurs et de publier davantage de photos de leur mission pour encourager un petit peu les plus jeunes. Et du coup, c'est pour ça que mon Instagram, il n'y a quasiment que des photos de moi en photo de tenue Croix-Rouge, parce que s'il ne m'avait pas demandé ça, moi, je serais resté sur Twitter. C'est compliqué d'à chaque fois dire je poste quoi, où, à quel endroit. C'est pas forcément super pratique. Mais après, voilà, vous avez un service com qui est réactif, qui est efficace. Donc, vraiment, chapeau. On surveillera de près tout ce qui arrive, ce que vous avez dit pour le e-learning. Et puis on partagera. Et si le confinement se prolonge, je le souhaite à personne, mais si ça se prolonge, comme ça pourra permettre d'avoir encore plus d'outils pour apprendre la langue des signes. Plus il y aura d'outils, plus on sera susceptible de trouver celui qui correspond
à notre usage et à notre disponibilité. Quoi. Parce que c'est vrai que bloquer une semaine pour faire une semaine de formation intensive, c'est pas forcément super évident pour tout le monde. Donc ouais, le e-learning, ça peut être une solution d'entre-deux pour ceux qui voudraient s'y mettre. Et puis peut-être même toi, Sébastien, l'année prochaine, peut-être que voilà, t'auras fait le premier module. Non, moi, je veux pas l'embêter avec ça. Il doit avoir tellement de boulot, Sébastien. Et encore des followers en plus. Voilà, bon, on verra si demain on passe la barre des 5000. Okay. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était super intéressant. Vraiment bravo, merci beaucoup à Sandrine et Thomas pour l'interprétariat. Je sais qu'ils vont bien dormir ce soir, je pense. ça a beau être un métier, mais voilà. En plus, il réagit même pas à ce que je dis, parce que comme la langue des signes, le visage est important pour les signes. Il est en train de signer tout ce que j'arrête pas, pardon. Merci infiniment à vous. Normalement, je le dis en début de live, mais là, s'il y a encore des gens qui sont encore en vie à la fin de ce replay et que vous voyez ce replay sur YouTube, eh ben, venez sur Twitch. Il y a plein d'autres vidéos à venir. Il y a le programme dans la bio avec les invités à venir. Lundi dernier, mon invité était malade, donc on verra Gwen qui nous parlera de sa fille qui a une dysplasie de la hanche lundi de la semaine prochaine. Et puis voilà, merci beaucoup pour tous les follow. Il y en a eu pendant toute la soirée, j'ai pas dit merci parce que je voulais pas couper la parole aux invités. Merci pour les follow, pour les subs, tout le soutien que vous avez apporté pendant tout le long de la soirée et depuis le début de la chaîne Twitch. Merci à vous 4 pour votre travail, vous 5. Pour votre travail, Elix, vraiment, on va arrêter parce que là, on a compris, je pense, que l'outil est sympa. C'est voilà. Et donc voilà. Merci à vous. Merci à toi pour cette invitation. Ouais. C'est cool. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Et je vais repasser sur la scène d'intro pour faire la conclusion. Je vous récupère sur Skype dans quelques instants. Hop. Non, ça c'est la musique. Aïe aïe, j'ai du mal. Il va falloir que j'investisse dans un stream deck. Hop. Voilà, c'est la fin de la soirée. Encore merci à tous d'avoir été là pendant tout le long. On a toujours été plus de 30. Donc vraiment, il y a des personnes qui sont restées tout du long. C'était vraiment super cool. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Les personnes qui étaient là sur le stream de lundi le savent déjà. On avait fait un live sur la langue des signes avec Mélanie sur le chant signe. On m'avait dit contacte Letty, peut-être qu'elle serait intéressée. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai contacté Letty la semaine dernière. Elle m'a répondu. On doit s'appeler la semaine prochaine, parce que là en ce moment elle a beaucoup de travail. On doit s'appeler la semaine prochaine. Normalement en avril, il devrait se passer des choses niveau chancing sur la chaîne Twitch. Voilà, je vous dis que ça. Mais bon, je pense que voilà, le suspense est très très léger. Alors, voilà, il va se passer des choses sympas. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.